Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. La communauté musulmane des Rohingyas compte un peu plus d'1,3 million de membres. Bien qu'établie depuis plus de deux siècles en Birmanie, elle ne fait pas partie des minorités officiellement reconnues par les autorités de Rangoon. Apatrides, rejetés, persécutés, des dizaines de milliers d'entre eux ont dû fuir ces derniers mois la Birmanie pour trouver refuge au Bangladesh, où ils vivent aujourd'hui dans des conditions terribles. Nos reporters Camille Le Pomelec et Vincent Roux sont partis à leur rencontre. Voici leur reportage. Sud-ouest du Bangladesh, non loin de la frontière birmane. À mesure que l'on s'approche des camps, leur nombre s'accroît. Des dizaines, des centaines de réfugiés Rohingyas postés en grappe le long des routes, essentiellement des femmes et des enfants, réduits à la mendicité. Si je réussis à gagner un peu d'argent, je vais pouvoir aller au marché et acheter du bois, du riz et du poisson si possible. Ma fille est malade, mais je n'ai pas l'argent pour aller voir un docteur. Et vous avez reçu combien d'argent aujourd'hui ? Presque rien, 25 centimes d'euros. Et moi, seulement 10 centimes. Depuis le mois d'octobre dernier, ils sont 80 000 à avoir fui la Birmanie pour s'entasser dans ces cabanes de plastique et de tôle. Faria Begum a 70 ans. Elle est l'une des seules rescapées de sa famille. Je viens du village de Borashi Darba. C'est en Birmanie. Mon mari a été assassiné par les militaires. Ils l'ont sorti de la maison et ils l'ont exécuté. Puis ils ont emporté mon fils aîné. Il a quatre enfants. Ils ont tenté d'arrêter les soldats, mais ils les ont repoussés à coups de pied. Je ne sais pas où il est. À minuit, je me suis échappée du village. J'avais très peur. J'ai passé la nuit dans la jungle, dans les collines. Je me suis cachée toute la nuit. Et puis j'ai pris un bateau le matin pour venir ici, au Bangladesh. Je n'ai rien pu emporter avec moi, seulement ces vêtements que je porte sur moi. La vieille dame survit grâce à la générosité de ses voisins. Vous pourriez me donner du riz ? Je n'ai rien mangé depuis hier. Nous aussi, on doit mendier. Mais si on en trouve, on vous en donnera. Les Rohingyas sont la minorité la plus persécutée au monde, selon l'ONU. Des musulmans établis depuis 200 ans dans l'état de l'Arakan, à l'ouest de la Birmanie. Dans ce pays à 90% bouddhistes, ils n'ont pas accès à la nationalité et sont régulièrement victimes de pogroms. Plus d'un million de personnes en situation d'apartheid. Mais au mois d'octobre dernier, des Rohingyas ont répliqué par les armes.
Si vous voulez venger l'honneur de vos filles et de vos mères, si vous voulez protéger nos mosquées de l'Arakan, vous les Rohingyas, vous devez vous lever et faire le djihad. Ce groupe de jeunes militants, auparavant inconnus, a attaqué plusieurs postes frontières de l'armée birmane et fait 9 morts. Une agression qui a déclenché une réplique extrêmement brutale. Torture, passage à tabac. Ce village a été presque entièrement incendié, comme le montrent ces images satellites collectées par Human Rights Watch. J'arrive de Birmanie. Depuis, 80 000 réfugiés ont donc rejoint le Bangladesh, le voisin musulman. Il s'ajoute à 300 000 réfugiés déjà installés dans le pays. Une présence qui importune de plus en plus de Bangladais. À moins de 10 km de la frontière birmane, le camp de Leda. Une vraie ville avec ses petits commerces. 15 000 Rohingyas vivent ici depuis le début des années 90. Un nombre qui s'est accru d'un tiers ces derniers mois. Mohamed Ilyas est le responsable du camp. Il a rendez-vous avec un groupe qui vient de fuir la Birmanie. Un logement leur a été prêté de façon temporaire. Vous êtes arrivé il y a peu de temps ? Oui, on vient d'arriver dans le camp. Oui, on est 3 familles à vivre ici. 10 personnes en tout. Là, pour l'instant, ils habitent ici. C'est la saison sèche. Mais où vont-ils aller pendant la saison des pluies ? Il leur faut une solution de logement pérenne. Je suis au bloc A. Venez me voir si vous avez un problème. Nassir, Nour et Rachida ont vécu l'enfer. Un matin, je suis sortie pour aller aux toilettes. Et j'ai vu des militaires cachés dehors avec leurs armes. Ils ont attaché les hommes et ont pris les femmes pour les violer. Et le troisième jour, ils ont commencé à brûler les maisons. Lui, c'est mon petit-fils. Ses parents se sont enfuis et ont laissé l'enfant. Les militaires ont commencé à le pousser du bout de leurs fusils, mais il est venu s'accrocher à moi. Voici mes fils, Amir Hussein et Jalaluddin. Je ne sais pas où les militaires les ont emportés. Ils ont aussi emporté ma fille de 11 ans, Kalima, et l'ont violée sous mes yeux avant de la tuer. Je ne sais pas où est son corps. Tout le village était en train de brûler et un hélicoptère s'est mis à nous tirer dessus depuis le ciel. Impossible de vérifier ces témoignages, mais ils se recoupent. La commission d'enquête de l'ONU a dénombré au moins 1000 morts et des viols systématiques. Oh Allah, combien de temps vas-tu nous laisser balloter par les flots? Combien de temps va-t-on errer sans maison? Combien de larmes va-t-on devoir pleurer? Oh Allah, donne-nous la mort plutôt que la torture. L'entretien doit s'arrêter. Depuis quelque temps, le gouvernement du Bangladesh interdit l'accès des camps aux journalistes étrangers. Nous sommes venus faire notre travail de journaliste, vous savez.
On nous demande de rentrer à Dhaka, la capitale. Le Bangladesh est un pays musulman en plein développement, mais surpeuplé et encore très pauvre. Les Rohingyas sont accusés de voler le travail et le pain de la population locale. On ne peut pas les héberger décemment. On leur a déjà donné tout l'espace qu'on pouvait. Maintenant, c'est un vrai problème. Ces gens deviennent nuisibles pour notre pays. En tant que musulmans, pourquoi ne pas les accueillir ? Oui, on peut les aider, mais pourquoi le faire si c'est au détriment de nos propres citoyens ? On est payé 6 euros par jour, mais eux acceptent de toucher 3,50 euros. Donc on ne peut plus travailler. Il faut qu'ils partent ailleurs. Il y a plein d'autres pays dans le monde. Ils n'ont qu'à y aller. Un ressentiment dont le gouvernement bangladais se fait l'écho par le biais de cette députée, ancienne ministre des Affaires étrangères. Le Bangladesh fait de son mieux, aujourd'hui encore, pour agir au niveau bilatéral avec la Birmanie. Mais on voit bien que cela ne sert à rien. Il faut une pression régionale et internationale pour que la Birmanie reconnaisse ses torts et que l'impunité cesse. Début février, le Bangladesh a confirmé qu'il comptait reloger les Rohingyas sur une île inhabitée comme celle-ci, avant de pouvoir les renvoyer en Birmanie. Au même moment, l'armée birmane a annoncé la fin de la campagne des représailles. Mais elle refuse de reconnaître sa responsabilité dans les exactions, malgré les pressions internationales. Une attitude cynique qui fait craindre une radicalisation des réfugiés. Ce jour-là, cet imam prêche avant tout la paix. Les gens ont perdu la foi en Allah. C'est pour cela qu'ils sont désorientés. Qui peut donner la paix ? Allah ! Oui, seul Allah peut donner la paix. Comment allez-vous ? Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de brûler. Ça allait bien jusqu'en début d'après-midi, mais ensuite ça n'allait pas du tout. La fièvre a commencé à monter. La vieille dame ne reverra probablement pas son village. Persécutés par la Birmanie, rejetés par le Bangladesh, les Rohingyas sont loin d'en avoir fini avec leur malédiction, celle d'un peuple sans terre et sans patrie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En 2016, 210 000 stagiaires étrangers ont travaillé au Japon. Un chiffre en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Dans un pays en pénurie de main-d'œuvre, ces stagiaires font figure de dernier recours. L'archipel préfère en effet faire venir des employés étrangers pour quelques années, plutôt couvrir les vannes de l'immigration. Mais ce système de stagiaires provoque de graves abus. Ophélie Diomatris et Anaëlle Royer ont enquêté sur ce programme et ses dérives. À Chioji, en banlieue de Tokyo, dans cette entreprise d'entretien automobile, Koji Takahashi peine à trouver de nouveaux employés japonais. Il vient donc de recruter deux stagiaires étrangers et son cas n'est pas rare au Japon. À cause du vieillissement de la population, l'archipel fait face à une grave pénurie de main-d'œuvre,
avec 143 offres pour 100 demandeurs d'emploi. Au Japon, il n'y a plus assez de travailleurs, ça devient un gros problème de société. Nous avons peu de jeunes au Japon et de toute façon, ils ne veulent pas travailler dans des endroits sales et difficiles comme ici. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à des jeunes d'Indonésie pour leur apprendre le métier. Ari Wayudia, 26 ans, est l'un de ses stagiaires. Il est arrivé d'Indonésie il y a 5 mois. Alors, tu travailles bien ? Oui, je fais de mon mieux. En janvier, il a obtenu un visa de 3 ans de stagiaire technique. Le but de ce programme est d'aider les ressortissants des pays en voie de développement à acquérir des compétences qui leur seront utiles dans leur pays d'origine. Je pense vraiment que ce que j'apprends maintenant au Japon va me servir lorsque je rentrerai en Indonésie. Mais tous n'ont pas cette chance. Nenok a dû payer un recruteur près de 5000 euros pour venir du Cambodge. C'est ici mon ancienne entreprise. À la clé, un stage de 3 ans dans une entreprise de travaux publics. Une entreprise dans laquelle il a été exploité et maltraité. Au travail, on utilisait un casque. Les Japonais me frappaient sur la tête avec des marteaux ou d'autres outils tous les jours en me disant « je vais te tuer ». Ça, c'est le troisième casque qu'ils ont cassé. Au-delà des injures, Nenok recevait un salaire de misère. Il travaillait jusqu'à 14 heures par jour pour 500 euros par mois, jusqu'à ce qu'un terrible accident l'envoie en arrêt maladie. Voici une photo de quand je me suis coupé le doigt au travail. Mes collègues japonais n'ont même pas appelé d'ambulance. Ils étaient au téléphone et j'ai dû attendre 2 ou 3 heures pour être pris en charge. Depuis, Nenok est en dépression et a entamé des poursuites à l'encontre de son employeur avec l'aide d'une association. Son président, Ipei Tori, a aidé plus de 2000 stagiaires victimes d'abus depuis 2005. Ce programme des stagiaires techniques est un système qui devrait disparaître au plus vite. Dans un sens, c'est une opération de camouflage. Ces stagiaires travaillent véritablement en tant qu'ouvriers. Mais on camoufle ça sous le terme de stagiaires techniques. Et le programme de stage a même provoqué des drames. Au Japon, entre 2015 et 2016, sur 210 000 stagiaires étrangers, 30 sont morts par surmenage ou accident du travail. Pour dénoncer ces dérives, Ipei Tori organise régulièrement des rassemblements devant la JITCO, le principal organisme public qui supervise le programme de stage. Mais ce jour-là, aucun représentant de la JITCO ne les recevra. Vous tous qui êtes là, vous savez que la JITCO fait travailler les stagiaires pour 2 euros de l'heure? Vous, avec vos cravates là, vous travaillerez pour 2 euros de l'heure? C'est de l'esclavagisme moderne, c'est du trafic d'êtres humains. Au Parlement, on commence à prendre ce problème très au sérieux. Yoshio Kimura fait partie d'un groupe de députés qui a mené une série de mesures pour mieux encadrer le système des stagiaires techniques. Ces mesures seront mises en application en novembre prochain. À partir de maintenant, on va mettre en place des régulations très strictes. Des organismes de surveillance seront chargés de faire des contrôles dans les entreprises qui accueillent les stagiaires, environ 4 fois par an. En vue des Jeux Olympiques de 2020, le Japon a besoin de recruter 700 000 travailleurs supplémentaires. L'archipel n'a donc pas fini de faire appel aux stagiaires étrangers temporaires, à moins que le Japon ne se décide à assouplir les règles d'immigration de longue durée dans le pays. Au Venezuela, l'effondrement économique a des conséquences humanitaires désastreuses. Selon le ministère de la Santé, la mortalité infantile a augmenté de 30% en 2016. Selon la Fédération médicale vénézuélienne, les hôpitaux fonctionnent avec seulement 3% des médicaments nécessaires. La sécurité alimentaire des Vénézuéliens est aussi menacée. Un tiers de la population, soit 9 millions de personnes, consomment qu'un ou deux repas par jour maximum.
Reportage de nos correspondants à Caracas. Deux musiciens tentent d'insuffler un peu de joie dans cet hôpital pour enfants. Nous sommes entrés discrètement, en nous faisant passer pour des donneurs, car la presse étrangère n'est pas la bienvenue dans les institutions publiques. Les étagères sont vides, pas de médicaments, des équipements mal entretenus. Une association part au plus urgent. La semaine dernière, ici à l'hôpital, il n'y avait plus de lait pour les enfants. Plus rien du tout. Alors on a demandé sur les réseaux sociaux qu'on nous envoie du lait en poudre. À l'étage inférieur, les conséquences de la crise sont encore plus dramatiques. Ici, 3 enfants sont morts en moins d'un mois à cause de la machine d'hémodialyse infectée au staphylocoque. 15 des 21 patients restants sont eux aussi tombés malades. La semaine dernière, on lui a retiré le cathéter et ça a fait baisser la fièvre. Il a été infecté ? Oui, il a attrapé la bactérie. Un membre de l'association caritative nous emmène jusqu'au secteur d'hémodialyse. La machine n'a pas été nettoyée et elle est encore en marche. L'eau des réservoirs qui alimentent la machine d'hémodialyse sont contaminées. On y a retrouvé des coliformes fécaux. Et c'est la seule machine pour traiter des patients de moins de 30 kilos. Dans le pays ? Oui, dans le pays. Et elle est encore utilisée ? Oui, les parents ont tous dû signer une lettre acceptant les risques encourus. Ils n'ont pas d'autre solution. L'hôpital a mis en avant une faute de moyens, mais aussi la pénurie généralisée d'antibiotiques pour combattre l'infection. Youderkis et Judith le savent. En d'autres circonstances, leurs fils Raziel, 11 ans, et Samuel, 12 ans, auraient pu être sauvés. Mais ils sont morts il y a quelques jours, terrassés par le staphylocoque. Ils lui ont donné des antibiotiques, mais de manière intermittente. Parce qu'un jour, ils avaient une pastille, le lendemain, il fallait se contenter d'une autre molécule. Après, il fallait attendre une troisième option parce que les autres n'étaient plus disponibles. Il n'y avait aucun suivi. Et on a commencé à voir que l'état de santé des enfants empirait. En plus des traitements inadéquats, les deux garçons étaient déjà affaiblis par la malnutrition. Les enfants sont les premières victimes de cette crise. Dans cette grande surface dont les rayons étaient toujours pleins, la plupart des aliments de base ont disparu. Et il n'y a plus un seul article pour bébé. Excusez-moi, vous avez du lait en poudre ? Des couches ? Vous allez bientôt en recevoir ? Près de 11 500 bébés de moins d'un an sont morts au Venezuela en 2016. Une augmentation de 30% par rapport à 2015, selon les chiffres du gouvernement. Dans ce service d'urgence pédiatrique, il arrive que 2 ou 3 bébés soient pris en charge en une seule journée pour malnutrition sévère. Le problème que nous avons est que le lait en poudre n'est plus importé régulièrement. Il n'en arrive que très peu. Et ça ne permet pas de fournir le marché. Alors on le retrouve au marché noir. Ce bébé n'a pas pris de poids depuis sa naissance, il y a 3 mois. Le père gagne 22 000 bolivares par semaine, quand un pot de lait en poudre coûte 40 000 au marché noir et ne peut nourrir un bébé que 3 jours. Le problème, c'est que quand le bébé passe le cap des 6 mois et qu'il devrait commencer à se nourrir d'autre chose que de lait, eh bien là encore, on ne trouve plus de quoi le nourrir convenablement. Alors c'est un problème qui devient chronique, se perpétue et s'accentue. Livia voit la situation se détériorer chaque semaine un peu plus. Elle s'appelle Aidée Marie. Elle a quel âge ? 7 mois. Je ne sais pas combien elle pèse maintenant, mais quand elle est arrivée, elle pesait un peu plus de 2 kilos. Les signes avant-coureurs d'une famine dans un pays assis sur les plus importantes réserves de pétrole au monde. L'enfance est prise en otage dans une spirale infernale de carence dont personne ne voit la fin. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. We'll be right back.
Retour sur le plateau de Code 24. La crise qatari tombe mal pour le Hamas. L'organisation qui gouverne la bande de Gaza depuis 10 ans craint désormais de se retrouver isolée. Le Qatar, son principal allié, est aussi le sponsor incontournable de la reconstruction de ce territoire de 365 km². En 3 guerres avec Israël, le territoire s'est enfoncé dans la crise permanente, la dépression et la dépendance à l'assistance étrangère. Reportage. Sous blocus terrestre, maritime et aérien depuis 10 ans, la bande de Gaza se retrouve plus isolée que jamais. Le Qatar, soutien traditionnel, brutalement mis au ban de la communauté des pays voisins du Golfe, est sous pression et le Hamas, l'organisation islamiste qui contrôle l'enclave palestinienne, craint pour son avenir. Ce conflit va affaiblir l'unité arabe. Et malheureusement, ce différend aura des conséquences pour le Hamas, bien que nous n'ayons rien à voir avec ça. Nous sommes aussi inquiets quant à l'aide humanitaire apportée à la population gazaoui. Routes, hôpitaux ou encore logements, ces dernières années, l'émirat gazier a investi des centaines de millions de dollars dans des dizaines de projets d'infrastructures dans la bande de Gaza, où plus de 2/3 des habitants sont tributaires de l'aide internationale. Nous avons peur pour les projets à venir, car ils ont promis une aide d'1 milliard de dollars pour la reconstruction, mais n'ont engagé que 50 millions de dollars pour le moment. Et s'ils cessent de la financer, cela pourra affecter le processus de la reconstruction de Gaza. 3 ans après la 3e guerre avec Israël qui a dévasté ce territoire de 365 km², la bande de Gaza peine à se relever, même si le comité de reconstruction mis en place par le Qatar finance les projets les plus ambitieux. Ça sera notre palais de justice. Ambitieux, oui, et très symbolique, car ce nouveau palais de justice a été érigé sur l'emplacement même d'une ancienne colonie israélienne. Cependant, la crise politique qui agite la région rend des plus incertains l'avenir du chantier, une menace aux profondes potentielles conséquences sociales. Arrêter ces projets, ça veut dire licencier tous ces ouvriers des chantiers du Qatar. Ça va augmenter le taux de chômage et ça va augmenter la pauvreté. Les investissements du Qatar ont créé près de 30 000 emplois dans la bande de Gaza, un territoire à l'économie exsangue où le taux de chômage culmine à 45% et qui traverse une crise humanitaire et énergétique sans précédent. Alors que l'Égypte traverse une grave crise économique, des milliers de jeunes sont prêts à prendre le large sur des embarcations de fortune à destination de l'Europe. Mais les drames sont nombreux. Nos journalistes Éric de la Varenne et Nadia Blétry se sont rendus à Rosette, sur la côte méditerranéenne, à la rencontre de ces jeunes candidats au départ. Reportage. Abdallah vient d'échapper à la mort. Le 21 septembre dernier, il a tenté de traverser clandestinement la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais son bateau a coulé au large de l'Égypte. Tous n'ont pas eu, comme lui, la chance de survivre. Ce jeune homme de 17 ans, qui a perdu des proches, est aujourd'hui hanté par les images du naufrage. Ça, c'est la barque qui a coulé. Tu vois là, ce sont les gens qui se sont noyés. Moi, j'avais attrapé un morceau de bois dans l'eau et Dieu m'a protégé. Il a fait venir un bateau de pêcheurs, des gens du coin, des gens de notre village. Mais jusqu'à présent, il y a encore 2 de mes amis dont je n'ai aucune nouvelle. Ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont, ou alors ça veut dire qu'ils se sont noyés. Les 2 amis d'Abdallah avaient 15 et 16 ans. Comme eux, de plus en plus de mineurs risquent leur vie pour fuir l'Égypte. L'année dernière, 66% des Égyptiens arrivés clandestinement en Italie avaient moins de 18 ans. Le village de Gezeret El Radra, dans le nord du pays, a vu mourir plusieurs de ces jeunes lors du dernier naufrage. La famille Abou Mostafa, qui vit dans des conditions misérables, a poussé 2 de ses enfants adolescents à prendre la mer. Oui, je les encourage à partir car je suis fatigué et malade. Ici, on n'a pas d'eau potable, pas d'égout. Quant à l'électricité, c'est aléatoire. C'est ça notre réalité. On n'a vraiment rien. On n'a pas d'argent, pas de revenus. Rien du tout. Et il n'y a même pas d'hôpital pour se soigner.
Les mineurs qui quittent l'Égypte le font surtout pour des raisons économiques. Les parents espèrent ainsi que leurs enfants pourront venir en aide à toute la famille. Mais depuis le dernier naufrage, Oum Karim a changé d'avis. Même si on n'a rien à manger, il ne faut plus tenter de traverser maintenant. Parce que c'était trop horrible de voir les cadavres des adultes et ceux de nos enfants. Pour que les mineurs ne repartent pas, une association locale aide les plus pauvres en leur construisant des maisons. Ce jour-là, Walid Abdelkhaled vient voir l'avancée des travaux. Mais il a bien conscience que son soutien est limité. Avec des aides de l'État et de la communauté internationale, on tente de fixer ces jeunes ici pour qu'ils n'aillent plus se jeter à nouveau dans la mer. Mais pour ça, il faut deux choses, un lieu de vie décent et un travail. Nous, on a commencé à faire ce qu'on pouvait pour leur donner un cadre de vie convenable. Par contre, il n'y a toujours pas de travail dans ces villages. Côté gouvernement, on affirme que le développement est la clé pour maintenir les jeunes Égyptiens dans leur pays. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucune action concrète n'a été engagée dans les gouvernorats les plus pauvres, régions traditionnellement abandonnées par l'État. De son côté, le comité interministériel chargé de la lutte contre l'immigration illégale estime que l'Égypte ne pourra pas s'en sortir seule. Au lieu de payer et de dépenser de l'argent dans des patrouilles et pour la sécurité, oui, j'aimerais que l'Europe finance des projets de développement en Égypte en prenant en considération les besoins des gouvernorats ayant le plus haut taux de migration clandestine. Je nie pas la responsabilité de notre gouvernement, de notre pays. Nous sommes responsables, mais une aide sera la bienvenue. Elle sera bénéfique pour nous et pour vous. Aujourd'hui, l'Égypte s'enfonce dans une crise économique profonde. Les plus jeunes, malgré les dangers de la traversée, n'ont qu'une idée en tête, l'Europe, qu'ils considèrent comme un Eldorado. À Gezireh Tel Radra, Karim et ses amis comptent bien partir à la fin de l'hiver. On n'a pas de travail. On n'a pas de vrai travail. Moi, en conduisant mon tuk-tuk et en m'épuisant toute la journée dessus, je ne gagne que 15 guinées. Ça ne suffit même pas à m'acheter des vêtements. Il n'y a pas d'éducation ici, je ne sais pas lire et écrire. En Europe, par contre, tu as une belle vie, tu as de l'argent et du travail. Dans ces villages, les jeunes retiennent surtout les histoires de migrants qui ont réussi à bâtir leur fortune en Europe. Mais ils retiennent moins souvent que le trajet de l'Égypte vers l'Italie est l'une des routes les plus dangereuses de Méditerranée. À rester des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Commencée au XVIIe siècle, l'histoire des soieries roses est tissée des matières les plus nobles. Elle recouvre 12 générations de soyeux qui, depuis 1650, habillent les châteaux de Touraine d'étoffes très précieuses. 10 ouvriers italiens sont alors arrivés pour apporter leur savoir-faire et développer l'activité. Reportage. Brocatelle, damas de soie, étoffe brochée. Ah, c'est connu, ce motif est très connu, et à Versailles. L'histoire des soieries roses s'est tissée dans les matières les plus nobles depuis le XVIIe siècle. 12 générations de soyeux qui ont habillé les châteaux de Touraine d'étoffes précieuses depuis 1650 et dont Antoinette est aujourd'hui la dernière descendante. C'est plus que noble, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau, hein. Sincèrement, il n'y a pas plus beau. Cet atelier, elle y est quasiment née, alors elle sait presque tout faire ici. Antoinette, c'est à la fois la patronne et l'une des petites mains de son usine, celle qui prépare les échantillons et bricole parfois les machines. Chaque fil a sa place, donc il suffit qu'il y ait un fil
qui soit décalé, même pas forcément entrecroisé, mais décalé parce que j'ai une maille pas tordue ou alors une dent du peigne qui est tordue et hop, ça fait un défaut. Le tissage, c'est très logique, comme les maths, sauf que ça n'en fait qu'à sa tête. Antoinette est fille, petite fille et arrière-petite-fille de Soyeux. L'histoire de son entreprise se confond donc avec sa propre histoire. J'ai commencé à 7 ans, je rattachais des écheveaux, enfin, je faisais des tâches toutes simples, quoi. Enfin, vraiment, j'aimais bien, c'est vrai que j'aimais bien. Plus grande, après, j'ai gagné mon argent de poche en travaillant, mais plutôt aux opérations de bobinage. J'aime la production, oui. Faire quelque chose, vraiment produire, c'est noble, quoi. Elle a à peine 23 ans lorsque son père l'appelle à ses côtés. Il meurt 3 ans plus tard et Antoinette doit alors prendre les rênes de l'entreprise. Son destin est désormais scellé. Depuis bientôt 30 ans, ce petit bout de femme se bat pour faire perdurer l'activité de ses aïeux et leur savoir-faire ancestral. Antoinette est la seule à savoir encore ourdir le fil à la main sur une antique machine du 19e siècle. On est plutôt des passeurs, parce qu'évidemment ça vient de loin derrière, mais on peut se projeter plus loin. L'immédiateté n'est pas importante, ce qui compte c'est de progresser. C'est que les choses évoluent, il ne faut surtout pas rester statique. Mais je préfère faire bien avec le temps qu'il faut que faire vite et mal faire. Hein. Alors là, je ne vois pas l'intérêt. Hein. L'histoire de la famille se raconte en lignes serrées sur un antique grimoire, rédigé par l'arrière-arrière-grand-père d'Antoinette. Il a pu reconstituer la généalogie des Roses sur près de 4 siècles pour remonter jusqu'au fondateur de l'entreprise. Le premier des Roses, c'est lui, Jean Rose Moussard. Il vint se fixer à Tours vers 1660, peu de temps avant son mariage. L'album de famille a des airs de livres d'histoire. Jean Rose, le fondateur, qui côtoya les rois de France. Jacques, à qui les soubresauts de la Révolution française firent perdre sa clientèle d'aristocrate et qui dut se mettre à fabriquer des tapis et des couvertures de laine pour les sans-culottes. Raymond, qui prit part à la mécanisation et à l'avènement de l'ère industrielle au 19e siècle. Je pense à eux, en fait, souvent. Enfin, ça les rapproche. Plus on connaît leur histoire, plus ils sont dans notre... Comme si on avait partagé leur quotidien. Comme ses ancêtres, Antoinette court les châteaux pour vendre ses étoffes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à Villandry, où elle a déjà participé à la restauration de plusieurs pièces. Alors, vous allez voir votre belle soie. Ah ben, j'attends que ça. Vous voulez qu'on s'assoie pour les tester? Tu viens, on a fait spécialement ce tissu pour vous. Ah oui, ce tissu, il est Villandry, spécial Villandry. Ouais, ça vous arrive souvent de vous asseoir dans vos propres œuvres? Bah, disons que j'ai ma méridienne chez moi, donc c'est tous les jours. Mais c'est toujours le même tissu. Non, c'est rare. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance ici. C'est gratifiant de voir les choses posées. C'est encore plus beau qu'à l'atelier. Par contre, c'est long à produire. Moi, c'est ce que j'observerais. On est toujours impatient quand on vous commande des tissus, mais ça tisse, il faut du temps. Tisse, il faut du temps. Il faut du temps. 2 à 5 mois de délai et un budget conséquent. On va retrouver ce salon oriental et son plafond moresque. Exceptionnel. Voilà. Et puis je crois que votre brocatelle de soie, elle lui forme un écrin. Un écrin qui a coûté à lui seul 40 000 euros. Antoinette est la dernière soyeuse de Touraine à proposer des créations sur mesure. Mais j'aimerais bien maintenant refaire tous les rideaux, mm-hmm. Et puis l'alcôve et le lit. Ça peut être un bicolore avec du verre. Un service unique qui lui vaut une clientèle d'exception. Des princes arabes aux oligarques russes, en passant par la reine d'Angleterre. On a beaucoup travaillé sur Buckingham Palace et Château de Chambord. Et Buckingham, quand j'ai visité, j'ai dit « mais j'ai du tissu dans toutes les pièces ». Un fabuleux livre d'or qu'Antoinette continue d'enrichir jour après jour.
Place tout de suite à notre rubrique mode. Coup de projecteur sur les collections automne-hiver 2017-2018. Paris est en fête. Après New York, Londres et Milan, Paris, la capitale de la mode internationale, accueille les présentations prêtes à porter de l'hiver prochain. Les nouvelles tendances vestimentaires féminines sont à l'image de notre société actuelle, en ébullition. Éloge des diversités, célébrations et anniversaires sont à l'honneur. Au Palais Omnisports de Paris-Bercy, le flamand Dries Van Noten fête son 100e défilé. J'ai toujours été frappée par la beauté de ces imprimés, la simplicité, la force de ces lignes. Enfin, je trouve que c'est un couturier merveilleux qui a un sens des couleurs en plus, des dessins. C'est un artiste. J'aime beaucoup ce côté androgyne et quand même très féminin dans les matériaux, dans les tissus, dans les choix d'imprimés. Mais moi, ça m'énerve de porter des choses hommes de Dries. Les tissus sont tellement beaux, les couleurs sont tellement belles que ce ne sont pas des vêtements de saison qu'on a envie de changer l'année d'après. C'est vraiment très intemporel tout en étant très moderne. Pour célébrer sa 100e collection, Dries Van Noten a fait appel au super top modèle des années 90. Dries est un créateur incroyable qui a toujours suivi ses convictions tout en célébrant les femmes, les couleurs, les matières, les modèles. Mais je pense qu'il y a aussi une part de mystère chez lui que je trouve géniale. Au Grand Palais, non pas sous la coupole réservée à Chanel, mais dans une galerie attenante, l'Indien Manish Arora se réjouit de fêter, lui, ses 10 ans. Cette collection est née sous le soleil du Nevada, pendant le festival Burning Man. La collection s'appelle Cosmic Love, Amour Cosmique. Elle raconte l'histoire d'une femme qui grandit. Elle est adulte maintenant. Elle s'amuse toujours, elle reste un peu fofolle. Mais elle ne se promène plus avec des bonbons ou des petits gâteaux. Elle porte des planètes, elle porte des comètes comme des sacs. Elle navigue dans la galaxie. D'une façon plus terre-à-terre, Manish Arora prône la diversité, les différences, le cosmopolitisme. Il ne s'agit pas simplement de là d'où vous venez. Je dirais plutôt, mes vêtements sont pour tout le monde. Alors tout le monde devrait pouvoir défiler dans mes vêtements. C'est la meilleure explication. Moi, par exemple, je viens d'Inde et je défile à Paris. Quel meilleur exemple que celui-là ? Autre lieu fort prisé des créateurs de mode, le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris. Pour sa seconde collection L'An 20, Bouchra Jarrar a invité ses amis. Isabelle Adjani, Rachida Brakni et son époux Éric Cantona, Gaëtan Roussel, Guillaume Gallienne, Christophe. Tous attendent une symphonie de coloris. Il y a des variations de couleurs, c'est comme des gammes de musique en fait. Il y a des variations de rose pâle, on passe du rose pâle au rose poudré, au rose pétale, au rose tendre, au rose amoureux. Le noir est parfois nuit, il est parfois gris, il est parfois kaki. Le blanc n'est jamais tout à fait optique, mais parfois ivoire. En fait, c'est des choses qui... C'est des subtilités qui nous font vibrer, quoi. Et quand les vibrations des couleurs sont perçues par un maître des nuances musicales... Les couleurs et les étoffes qui vous parlent vous sautent tout de suite aux yeux. Les satins. Elle m'a dit que celui que j'aimais bien, c'était Aqua. Le satin chair et puis ce magnifique tailleur porté par cette femme brune avec les cheveux comme ça. Là, hein. J'ai toujours aimé la mode. Quoi. Si je n'avais pas fait du son, j'aurais fait peut-être de la mode. Ouais. Au nord de Paris, porte de la Villette, dans un immense entrepôt, un très long podium. Les mannequins marchent comme au ralenti. Simon Porte-Jacquemus a appelé sa collection « L'amour d'un gitan » et elle rend hommage à l'art tauromachique. On retrouve des formes dans les manteaux, dans le cintrage des pantalons très hauts. C'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir vu un show haute couture. Il est question d'attitude, d'un maintien altier, mais sans contrainte. Non, on n'est pas corseté, on a une forme digne et classe et prête à affronter la vie. Dans un espace blanc quasi monacal, la jeune griffe parisienne Vanda Nilon présente sa collection Éloge de la diversité. En 2012, Johanna Sénic, la créatrice de la marque, avait taillé son premier trench dans un rideau de douche. Elle a cette invention d'abord de la matière.
elle s'est trouvée le fil de soie, le fil de soie au grand sens du mot. Une invention dans la pointe de la technologie de la matière. Et donc ça, c'est une très grande invention. Plus prosaïquement, Johanna Sénic a articulé sa nouvelle collection autour de figures féminines puissantes. J'ai commencé à regarder toutes ces femmes que j'adore et toute cette esthétique que j'adore, genre les petits bérets des Black Panthers, les petites épaules, tu vois, ces femmes un peu fortes, militantes, et puis qui ont envie, qui n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation, qui prennent les devants. Donc fait des silhouettes hyper fortes, mais qui sont pas du tout agressives et au contraire qui sont pas trop dénudées non plus. Pas du tout. Non. Un petit peu parfois quand même. Ouais, juste ce qu'il faut pour être appétissante. Voilà. Johanna Sénic ne manque ni d'humour ni de talent, deux raisons amplement suffisantes pour savourer avec malice ses prochaines collections automne-hiver. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.